Non, on va fumer, bon. Genève, où l'on retrouve Martin Fayoulou en personne. Bonsoir Martin Fayoulou. Oui, bonsoir. Alors vous êtes encore à Genève ce soir, 24 heures après la signature de l'accord qui vous a désigné candidat commun de l'opposition. Cet accord existe-t-il toujours ce soir, Martin Fayoulou? Pourquoi l'accord n'existerait plus? L'accord existe, nous avons signé l'accord à 7. Je comprends qu'il y a deux personnes qui veulent se désengager, mais ça c'est libre à eux. L'accord existe toujours, madame. Justement, comment réagissez-vous au retournement de veste de Félix Tshisekedi, dit-elle Caméré? Mais c'est extrêmement grave, très très grave, parce que nous avons signé cet accord à 7, et chacun a signé en âme et conscience, et chacun a pris un engagement ferme de ne pas violer cet accord. Et aujourd'hui, quel signal on donne aux enfants et quel signal on donne à la population et surtout nous de l'opposition qui disons tout le temps que le pouvoir kabyliste ne respecte pas les textes, ne respecte pas la constitution. Mais si nous-mêmes déjà on commence à ne plus respecter nos textes, et c'est grave, nous disons aux enfants que voilà, j'ai fait la politique pour moi, pour mon clan, pour mon parti, et non pour le bonheur du peuple congolais. Non, je suis totalement révulsé. J'ai manque de mots. C'est extrêmement grave. Moi, je suis allé dans cette réunion avec l'idée de se mettre ensemble pour battre les camps AFDEL. Je précise bien les camps AFDEL. Battre ces camps-là parce qu'il a paupérisé la population et j'ai bien dit que si ce n'était pas moi, j'allais accepter le verdict. Si c'était quelqu'un d'autre, j'allais continuer le mouvement. Si c'était moi, j'ai serré les porte-étendards de ce mouvement qui veut les élections libres, transparentes et apaisées. Élection inclusive sans machine à voter. Donc, ce soir, Martin Fayoulou, l'accord n'est-il pas caduc avec ces désistements? L'accord n'est pas caduque. J'ai eu Jean-Pierre Bemba au téléphone, j'ai eu Adolphe Mozito, j'ai eu Moïse Katumbi, j'ai eu Freddy Matungulu. Donc nous étions à 7. Et là, le 5 confirme leur engagement. Et donc l'accord n'est pas caduque. L'accord ne peut pas être caduque parce que le peuple congolais nous a demandé de ne pas les trahir. Ceux qui veulent les trahir, libre à eux, et c'est eux qui vont s'effronter, comment dire, à la population. L'accord n'est pas caduque, l'accord existe et existera et va nous amener aux élections libres, transparentes et apaisées, sans machine à voter. Et est-ce que ces événements ne montrent pas la rupture entre les chefs de parti et la base? Écoutez, peut-être comme vous le dites, mais le chef de parti a une ligne de conduite. S'il vient, c'est qu'il s'est entretenu avec sa base. Mais si au départ, il part pour dire que, voilà, vous allez là-bas, les candidats communs, c'est vous et c'est pas un autre. Mais s'il y a deux qui se désistent, ça veut dire que chacun est venu pour être candidat. Moi, je vous dis simplement, pour mon cas, pour mon groupe, nous sommes allés à ces discussions en sachant que si ce n'était pas nous, nous allons, comment dire, rester et continuer l'accord. Et surtout que les modérateurs, au départ, d'abord, une Transformation Initiative, ces groupes sud-africains, est venu à contacter chacun de nous et nous a demandé, est-ce que vous êtes d'accord pour des discussions sur la candidature unique? Chacun de nous a dit oui. Deuxième question, est-ce que si ce n'est pas vous, accepterez-vous?
Nous avons dit oui. Et nous sommes justement, n'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs? Pardon, j'ai pas bien compris. N'avez-vous pas mis la charrue avant les bœufs? N'aurait-il pas fallu inclure la base dans la préparation de cet accord? Mais comment inclure la base? La base a été inclue avant. Comment vous pouvez venir dans une négociation sans que votre base le sache? Nous avons, ça fait 2-3 semaines qu'on discute de ces sujets. Et ça fait depuis très longtemps qu'on parle de la candidature commune. On l'aurait déjà eu avant. Donc, je dis et je répète que nous savions et nous avons donné des garanties. Et la fondation Kofi Annan qui nous a reçus et avec le modérateur actuel, Alain Doss, nous a posé des questions précises. Et là, je me dis simplement que c'est dommage qu'on fasse diriger par une personnalité de telle envergure, de telle importance, et que vous ayez accepté les principes de base, et que 24 heures après, vous vous rébiffez. Je ne peux pas qualifier ça. Et j'ai dit, c'est un mauvais signal qu'on donne aux enfants. Et Martin Fayoulou, les enfants doivent nous suivre. Martin Fayoulou, quand on voit ces derniers événements, est-ce que ça ne donne pas une image désastreuse de l'opposition congolaise? Non, ça donne une image désastreuse des hommes qui veulent être eux-mêmes désastreux. Ça ne donne pas l'image de l'opposition. L'opposition est composée d'hommes et de femmes, donc des individus. L'opposition est là, mais je vous dis qu'on était à 7. Et là, il y a 5 qui ont confirmé leur engagement. Je peux aller plus loin parce que nous avons tous signé un engagement ferme, je le répète, de ne pas violer cet accord. Mais maintenant, si certaines personnes violent, je crois que vous ferez mieux de leur poser la question pourquoi ils violent cet accord. Et aussi, pour le respect envers les autres, ils devaient contacter chacun individuellement, donc les autres, pour dire que voilà, écoutez, peut-être je me suis trompé, je me désengage. Donc mais nous n'avons eu aucun appel. Donc ce soir, vous endossez toujours le costume de candidat commun de l'opposition? Mais bien sûr, parce que je viens de vous dire que j'ai eu les 4 autres collègues leaders qui, eux, restent fermes dans leurs engagements. Donc on ne peut pas. Mais écoutez, mais un parti, c'est une représentation d'une partie de la population. Mais sur 7, nous sommes 5. Et je peux vous dire que la popularité, vous allez voir la popularité pendant les élections. Et chacun de nous va dire qu'il est populaire. La popularité, c'est les élections, une photographie à un moment donné. Et nous attendons cette photographie. Mais nous voulons ces élections, on continue. Dernière question rapidement. Est-ce que vous allez tenter de ramener à la cause ceux qui ont quitté l'accord? Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe. Mais bien sûr, je leur demande simplement à mes deux frères de revenir à la raison. De ne pas renier leur signature, c'est très grave. Renier une signature apposée en âme et conscience, ça veut dire que dire au monde entier que, s'il vous plaît, ne me considérez pas, ne faites pas une affaire avec moi, parce que si demain je fais une affaire avec vous, je suis capable de dire non, de renier ma signature. C'est extrêmement grave, c'est perdre sa crédibilité, c'est perdre son essence même des personnes. Je ne peux pas comprendre, moi, c'est des choses que je ne comprends absolument pas. On a entendu votre message. Merci beaucoup, Martin Fayoulou, candidat désigné de l'opposition pour la présidentielle en RDC. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde.
français sikoyote na convoquer réunion extraordinaire na zone de Bisabino Bozelangai dans 25 minutes déclaration politique et kotange mawa. Attention papa, papa bougez le coloniatiste si la charge. Oui, bonjour papa. C'est la déclaration.
Déclaration politique de la Ligue des Jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social va Tshisekedi. Nous, jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, réunis en conseil extraordinaire de l'exécutif national de la Ligue des Jeunes, réitérons notre soutien indéfectible à M. Félix Tshisekedi, candidat de l'UDPS, candidat du peuple congolais. Voilà. Sur ce, conscient de l'avenir de notre pays, conscient de l'avenir de notre parti, conscient des sacrifices consentis pendant toutes ces 36 années de lutte, nous, jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, rejetons catégoriquement en bloc. Jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, rejetons en bloc les décisions du théâtre de Genève. Et a constaté les complots ouvrés par les officines du pouvoir et de certains opposants en perte de vitesse qui, pensant qu'à leur absence, le Congo ne peut pas avancer, nous, au niveau de l'UDPS, nous disons, nous n'allons pas accepter SNCT BIS. Voilà. Sur ce, nous donnons 24 heures au président du parti. Entre les choix des combats de ceux qui ont souffert pour ce pays et les choix des traîtres qui ont prié récemment avec Kabila. Voilà. Sur ce, nous réitérons la position du parti à l'issue du congrès du 30 et 31 mars et nous rappelons au président du parti
que les statuts du parti stipulent dans son article 18 que le Congrès, à son numéro 7, investit le président aux élections présidentielles. Sur ce, il a été investi candidat du peuple, candidat de l'UDPS, et il n'a qu'à faire le choix. Soit il viole les statuts du parti et il viole les résolutions du Congrès. Ainsi, la jeunesse, nous allons revenir en ces lieux pour prendre une décision idoine. Et sur ce, nous passons les accords de Genève entre les mains du vice-président pour montrer que cela ne nous amènera pas. À tout le peuple congolais de rester mobilisé, nous serons vigilants, nous ne donnerons pas un jour de plus à M. Kabila. Nous irons aux élections le 23 avec Félix Tshisekedi comme candidat et nous gagnerons ces élections. Merci. Un instant, je monte d'abord. Oui. Papa, je peux monter? Je peux monter? Mais qui sont ta maman les quartiers? Merci, merci. C'est la plague ça. Merci. Attendez papa, vous allez faire l'interview. Venez s'il vous plaît, vous allez faire l'interview. Est-ce que vous pouvez m'appeler le président pour qu'il parle ici là? Je suis le communicateur de la Ligue. Oui. Vous allez parler, mais j'ai besoin aussi du président. Qui? Le président. Il fait notre interview. Bon, aujourd'hui, c'est la journée d'interview. Il peut monter, non? Pardon? Bon, allez, là, comme matin, non? Qui peut parler, madame? Oui, c'est d'abord lui qui doit parler. Monsieur, pourquoi cette colère-là? Ok. Vous voyez tout ce monde ici a rempli à la permanence, communément appelé le... On tourne par là, ouais, comme ça. Okay. Vous avez trouvé au moins le bruit. Les gens se sont réunis à la permanence pour contester contre l'aventure de mauvais goût qui s'est passé à Genève. L'UDPS en général et la jeunesse de l'UDPS en particulier réitère son engagement constitué indéfectible au président Félix Tshisekedi du monde et rejette avec dernière énergie cette aventure de mauvais goût qui s'est passée à Genève et fait rappeler au président Félix Tshisekedi du monde l'article 7 du statut du parti lors du congrès extraordinaire. Il a été investi candidat président du parti et candidat du président à la République. Il trouve un ordre à ce que le président Fati puisse céder sa place pour un quelconque ou bien certaine humaine de Fayou. Merci. Qui d'autre voulait parler? Vous? Oui. On tourne comme ça. Venez. Alors. Oui, ça avec...
c'est avec la dernière énergie que nous rejetons. Nous rejetons en bloc cette nomination, ce théâtre de la nomination de Martin Fayoum comme candidat commun de l'opposition. Nous savons bien ce qui sont derrière cette histoire. Nous savons bien que les anciens collaborateurs de Kabila, ce sont eux qui ne veulent pas que Kabila puisse partir. Ainsi, nous disons non. Nous disons non avec la dernière énergie pour que... pour qu'on puisse choisir Félix Tshisekedi comme l'unique candidat. Merci. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Bon, en fait, moi personnellement, je suis choqué par les théâtres, par la pièce théâtrale qui s'est passée à Genève. Puisque s'il faudrait choisir un candidat commun, il devrait y avoir les critères sur lesquels on devait se baser. Normalement, la popularité. Si jamais nous devons aller à une primaire, qui devait l'emporter? Mais je ne veux pas comprendre que ceux qui étaient à Genève puissent mêler les peuples dans cette trahison. Nous avions pensé qu'ils pouvaient faire sortir quelque chose de bon. On pensait qu'ils étaient intelligents. Mais à notre grande surprise, nous avons trouvé que c'est juste une bande de traîtres et qui n'étaient pas sincères dans leur choix. Et nous sommes tellement désolés. Et si jamais Félix n'arrive pas à retirer sa signature, et c'est sur le même siège qu'il va être destitué. Je dis bien et je vous remercie. Merci. Comment il s'appelle le président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS? Comment il s'appelle? Yves Bunkoulou. Yves Bunkoulou. Merci. Yves Bunkoulou. Yves Bunkoulou. Papa, hein? Le papa a vu d'autres. J'assume ce que je dis, je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Christian, je ne vais pas rentrer dans les détails de nos discussions, des débats et des délibérations, mais vous devez savoir que je me suis rendu là-bas en responsable et jusqu'au bout, j'ai défendu les intérêts de mon parti. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la base de mon parti qu'elle se mobilise parce que dans les jours qui viennent, je vais descendre à Kinshasa à sa rencontre pour lui donner le compte-rendu de ce qui s'est passé à Genève, mais également pour la mobiliser afin qu'elle se prépare à entamer avec moi la campagne électorale qui va s'ouvrir dans quelques jours. Que vous allez mener seul, l'UDPS ira seul. Seul ou avec ceux qui voudront la suivre, évidemment. On parle de l'UFC, la base de l'UFC souhaiterait que vous et Vital Kamerhe vous rencontriez pour qu'il y ait à vous deux une candidature commune. Est-ce que cela est envisageable? Écoutez, pour le moment, nous avons été à 7 leaders autour de la signature de cet accord. Je crois qu'il s'est passé des choses. C'est à chacun, évidemment, des leaders de se comporter en fonction de ce que son parti va décider. Donc à mon avis, c'est encore prématuré d'aller sur la conclusion d'un tel arrangement. Ma priorité, je la réserve à ma base. Donc laissez-moi d'abord rentrer à Kinshasa dans les jours qui viennent, m'adresser à ma base, relever la température de celle-ci
Et ensuite, je pourrais peut-être répondre à votre question. Pour parler, non pas de votre base, mais des leaders de l'opposition avec qui vous avez tenu réunion pendant 72 heures, est-ce que votre décision d'aujourd'hui, que vous annoncez en exclusivité sur Top Congo FM, n'aura pas de graves conséquences dans vos relations? Mais écoutez, j'ai dit que je l'ai fait en âme et conscience lors de la réunion dont vous parlez, des 72 heures. Ici aussi, vis-à-vis de ma base, je vais le faire en âme et conscience. Un parti politique, c'est d'abord sa base. Et je dois rendre à l'histoire le fait que la base à l'UDPS est le moteur même de notre parti. On ne peut pas se dire leader à l'UDPS sans avoir l'adhésion de la base. Tout mon engagement, tous les sacrifices que j'ai consentis au cours de ma vie politique, je l'ai fait pour et au nom de cette base. Je ne peux pas aujourd'hui me permettre d'être ou d'aller en contresens avec par rapport à cette base. Sinon, alors, je signerai ma mort politique. Les leaders, les amis auxquels vous faites allusion, je suis sûr qu'ils le comprendront parce qu'ils le savent de quoi nous avons parlé. Et je n'ai aucune inquiétude vis-à-vis de cela puisque je vous l'ai dit, j'assumerai toutes les conséquences de ce que je viens de dire. Monsieur Félix Tshisekedi, je vous remercie. Merci Christian Lusagrena. Félix Tshisekedi a décidé de retirer sa signature. Sa base le lui demandait. La base de l'UNC demande à Vital Kamerhe de retirer sa signature et de rentrer faire campagne à Kinshasa. Que répondez-vous à votre base? Merci mon cher Christian Lusagrena pour l'opportunité que vous me donnez pour m'adresser à la base et répondre à sa requête. Je voulais d'abord vous rappeler que l'UNC, c'est un parti de masse. Un parti qui a une base réelle sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. C'est donc le parti qui porte les leaders. J'avais été investi par le congrès du parti qui représentait tous les membres du parti comme candidat à la présidence de la République. Je suis allé à Genève après avoir consulté la direction politique nationale de mon parti qui représente la base et le congrès en l'absence de la session du congrès. Ils m'ont donné le quitus d'aller à Genève pour aller construire ensemble avec mes collègues de l'opposition, consolider l'unité de l'opposition et nous choisir un candidat commun de l'opposition pour affronter les échéances électorales du 23 décembre 2018 avec beaucoup de garanties de gagner. Aujourd'hui, la même base s'est réunie à travers la direction politique nationale, certainement après avoir entendu les lamentations, la colère à travers tout le pays, dans les rues de la capitale, dans les réseaux sociaux, dans la diaspora. Cette direction politique nationale s'est réunie et vient de terminer sa réunion. Elle m'enjoint de tempérer dans le sens de la demande de la base. Et je ne voudrais pas ici commenter la décision de la direction politique nationale chez nous, parce qu'elle est au-dessus de ma personne, selon nos statuts. Je ne peux qu'obtempérer. Donc j'annonce que je retire ma signature pour respecter la volonté de la base. Parce que sans cette base, je vais m'auto-frageler, je vais moi-même m'auto-exclure du parti. Et à quoi ça sert donc d'être un leader sans base? Je voudrais dire à ma base que je suis allé accomplir une mission qu'elle m'avait chargé de remplir. Et je l'ai remplie, mais les retours
de la flamme du côté de la base. J'ai compris les messages et donc je réponds favorablement à ces messages de la base. Monsieur Peter Kamere, la question que tout le monde se pose, comment vous, pourquoi... Ingeta, peuple congolais, Ingeta, bana ya mboka ya Congo, vous allez na message mingi ya koyebi sa binote, idéologie na biso, pensée na biso à l'immédiat, ezali FCC, fausse commune des Congolais corrompus. C'est-à-dire que na mikolo ezali koya, toza ko kuna bango et puis toza ko tie la bino Congo nouveau. Le message est clair. Si nous sommes en train de mobiliser le peuple congolais, c'est pour les libérer. Motoa ko sabinote, motoa ebi sabinote, vana nanda ko, ko sa lelo kote, non. La manifestation ezali expression ya démocratie pour na peuple. Ezali l'un des moyens oyo peuple a salaka po na ko réclamer ba liberté na ye na ba droit na ye. Biso peuple congolais, tout telema ki lobi bomonagi biso, na manifestation mounene awa na mboka ya France, na Château Rouge, le peuple congolais était mobilisé, to zala ki na ba africain, ba tue belé baza ko soutenir cause na biso. Et maintenant, pour mettre fin na dictature, plutôt na occupation ou ezali na mboka na biso, nous avons décidé de rompre avec les congolais pour corrompus. C'est-à-dire bateau basali ko planifier extermination ba congolais na complicité ba congolais bango moko. Donc to décider ko kunda bato wana donc mikolo ezali ko ya chers compatriotes bo kanabino susu pas cité bo landaka les susu bato wana te message na biso ezali clair. Nous n'avons plus rien à voir avec les politiciens congolais corrompus. A commencer par leur chef ou basali ko benga soi-disant Fati. Si na sena ba kolabo na bango na ba fayulu bango nyoso peuple congolais message ezali kaka moko évidence na biso ezali la résistance to bengi na bino bo rejoindre message à résistance na yango wana to zali ko zongela ba mobilisation intensive c'est-à-dire que na mboka nyoso ya mokili nyoso oyo ba congolais bazali vous ne pouvez plus accepter la domination étrangère to lingi yango li susuté. Inge ta chère compatriote, on est ensemble. Maluba ou mboka yo ndoyi, oui, ça va mboka na bise. Inge ta peuple congolais, Omelonga. Oma Kindaba yola dadi. Boi mamion sorobi donc FCC, Force Commune de Collabo. Le 3 novembre 2018, nous allons nous retrouver à Bruxelles. To bandi rituel yabo koko. Nous allons finir avec l'occupation, avec les avatars, avec les collaborationnistes. Et nous allons faire ce que nous devons faire pour libérer ce pays-là. Donc, peuple congolais, ce qui est basé sur élection, machine à voler, processus électoral, dialogue, accord, il y a Senko, transition sa Kanambe. Sachez tout de suite qu'il s'agit des collaborationnistes. Et nous sommes là pour la libération du Congo. Donc, nous avons un rendez-vous dans le peuple congolais, nous sommes dans le monde entier, de partout dans le monde entier. Le 3 novembre 2018, samedi 3 novembre 2018, nous écoutons à Bruxelles, la place Lumumba, exporte de Namur, avec 28 cercueils, FCC, Force Commune de Collabo. Nous allons 28 personnalités, nous allons accompagner l'occupation en Boka officiellement, et P.O. Boyebi. Donc tout ça ko bengi sabino mingi boya parce que tout ça ko sala mosala ya ko sikola mboka Congo mengu ba omona kimbiri kiti. Et puis chers compatriotes webi sabino ezali marambo tout ça ko sala pour na remarquer ba esprit surtout ba esprit ba congolais pour bazala éveiller bazala réveiller donc na mikoleza boya mona mboka ya Congo hashtag kunda kolabo hashtag kunda accompagnateur hashtag kunda corrompu. Voilà les FCC. Donc, yo mon amboka Congo muto lingakate o yebike o aza accompagnateur o sali hashtag kunda mutu na yo. O zuna photo na ye o yebi déjà mutu ni noto kunda. Et puis tant oza kunda mutu, mi lobanga imokonde congolais nouveau conscient
ngaïnde na komi leader pour na libérer mboka yana pour na peko kamba yango. Voilà la pensée directrice au tozako koti sabino ba congolais biso ba congolais biso ba tozali ko kanisa ke biso neto ko sikola mboka wana. Voilà bande ko tokuta la biso nyonso na Bruxelles le 3 novembre tozali na manifestation ya monene oyo to bengisi bino tout de partout bande ko o bozaki lobité le 13 bo se préparé aux ali na Hollande aux ali na Grande-Bretagne aux ali na États-Unis balobi ba congolais balali mais ba congolais balalité tant to lobaka to yemaka debout congolais c'est parce que nous sommes conscients de ce qui se passe chez nous moto oya koloba na yo oh non vous vous marchez seulement non nous ne marchons pas seulement ba action na biso ezali déterminant et ezali na cadre ya idéologie na biso ya libération ya Congo c'est-à-dire libération spirituelle na libération politique. Voilà pourquoi FC César rendez-vous au moi nanion c'est Mboka ya Congo le 3 novembre tokutana na Bruxelles hashtag Kunda Kolabo corrompu ingeta ingeta bayaya hashtag Kunda Kolabo motona motona dialogue na ye motona motona kolabo na ye motona motona corrompu na ye le 3 novembre 2018 na Belgique na Bruxelles à 13h na place Lumumba export de Namur. Hashtag Ezali Moko, Kunda Kolabo na yo, Kunda Korompi na yo. Hashtag Ezali Front de Kolabo, Force Commune de Kolabo. Donc, Toroyana 28 cercueil Toko Kunda. Toza Kobeta 7 place wana parce que Ezali Makambuya Bo Koko. Libération Mboka ya Congo, ya Nation Congo, Ezali Makambuya Bo Koko. Libération spirituelle, libération politique, libération physique. Toza ko déchaîner ba esprit ya batu. Toza ko allumer ba cerveau ya batu. Poto ko rakosi ko lamboka na. Vous êtes les leaders que nous voulons pour le Congo. Nous sommes les leaders que nous voulons pour le Congo. Donc to bengisi bino nyonso peuple congolais. Samedi le 3 novembre 2018 na place Lumumba ex porte de Namur na Bruxelles à partir ya 13h. Yakana cercueil na osoko za kana kolabo no moko tchaka na liste sale na cercueil yakana e biso to sala 28 na biso to kobimisa bango to sala force commune ya ba kolabo o babenga ka FCC ingeta na bino baya ndoi ingeta minga kolobate bande ko to za ko répéter message nenge to lobaka message na biso ezali alternative to za na besoin alternative et le biboye kuna système où ils allaient pour na au la musa système yasika c'est-à-dire au bout d'un système yasika donc pour na to kuna système où yakala to kusa la on a n'ya bokoko symboliquement parlant to kuna les systèmes où ils allaient na kati ambo kanabiso avant to kata Hippolyte Kanambe Mutu to bandina nous ko kuna ba collabo corrompu donc force commune na bango ici to sali yango yango to bengi sibino bana yambo ka botcha na mutu na bino alternative. Première action alternative pour mon yango le 3 novembre pour tout ça au Kunda système wana na ba acteur na bango force commune de collabo congolais force commune de collabo corrompu ba accompagnateur hashtag Kunda collabo na yo ingeta chers compatriotes minga kolobisati ingeta bayaya. Merci à ceux qui vont partager la vidéo ba mona kimbiri kiti ibobo ingeta à la nation. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduit. Comprenez mon émotion. Bienvenue en RDC, connu sans carte d'identité, président sans mandat, député sans légitimité, CENI sans indépendance, gouvernement sans budget, monnaie sans valeur, constitution sans sanction, dialogue sans fin, guerre sans raison, politicien sans projet de société, musique sans message, parents sans autorité, diplômé sans travail, fonctionnaire sans salaire, policier sans formation, jeunesse sans vision, église sans vérité, femme sans pudeur, peuple sans conscience.
violence, tribalisme, sans cause juste, parti politique, sans militant, capital, sans propriété, opposant, sans constance. Le gouvernement dirige le pays comme des étrangers sans se soucier de rien. Ils ne se sentent pas concernés aux problèmes du pays. Conclusion, dirigeants étrangers, bref, république ténébreuse. Voilà la raison du soulèvement populaire transition sans Kabila. Il est liste de collabos. Le Bani, transition sans Kabila, la liste des personnes qui ont une compte à rendre. Nous, le peuple congolais, nous devons les chercher pour leur demander de rendre compte pour haute trahison. Il s'agit de Lissana Bonga, collabo. Steve Mika, collabo. Roger Mba, collabo. Sami Badiba, collabo. La mère Meli, collabo. Evariste Mocha, collabo. Jean-Lucien Pousse, collabo. Mili Michiki, collabo. Haute trahison à la nation. Emery, Okumichi, collabo. Olengan, collabo, Gabriel Monti, collabo, Giske Bitakura, collabo, Claude Machal, collabo, Élisée Chalamouane, collabo, Mboso Kodia Mbongo, collabo, Germain Kamilo, collabo, Thomas Luaka, collabo, Prophet King Kiev Mounoumba, collabo, Zakari Bababasoué, collabo, Neni Mbani, collabo, Obel Minabi, collabo, Denis Kambayi, collabo, Ale Atoumou, Biyombo, collabo, Papi Kama, collabo, Prince Moussala, collabo, Pierre Kamoudia, collabo, André Kimbuta, collabo, Ndeko Eliezer, collabo, Ndeko Bazi, collabo, Daniel Issafou, collabo, Ramek Cyprien, collabo, Matata Mponi, collabo, Julien Paluku, collabo, Koukoko Samba, collabo, Jacques Mann, collabo, Moïse Katoumi, collabo, Vital Kameri, collabo, Denis Lessi, collabo, Marcelet Insichambo, collabo, Kébou Mestre, de 24 communes de la ville de Kinshasa. Ce sont des collabos, Moussoko Patrice, collabo, Barouti, collabo, Ngalassi, collabo, Sonika Futa, collabo, Makeo Mwangu Fwamba, collabo, Pasteur Timbo, collabo, Mathias, collabo, Pasteur Ekanga, collabo, Bordeaux, Madjoum, collabo, Général Damofort, collabo, Céleste Gagnan, collabo, Général Ekassom, collabo, Général Olé, collabo, Général Ambouli, collabo, Général Elvis, collabo, Salas, collabo, Général Bissengiman, collabo, Werasson, collabo, Jimempia, collabo, Manda Chant, collabo, Blaise Boula, collabo, Kofi Olomide, collabo, Félix Massekwa, collabo, Nokalong, collabo, Pasteur Adam, collabo, Nadej, collabo, Saïsan, collabo, Goda Montemona, collabo, Costa Oman, collabo, Christy Sombe, collabo, Makoloko Tambola, collabo, Caleb Mouton, collabo, Moïka Saj, collabo, Anna Filman, collabo, Papa Koukou Lakasso, collabo, Diana, collabo, Kone Nanga, collabo, Mboembu Linda, collabo, Aden Chole, collabo, Mosele Utembi, collabo. Le Congo est sous occupation des pays étrangers. L'AFDEL a été composé de 18 pays qui occupent la République démocratique du Congo. Trahison à la nous avons 138 groupes rebelles. ADEFMAN, ABCLC, CNRD, FDC-GUD, Moussoumba Group, FDLR, FOKA, FDLR, RUD, NLR, ZAMADEM, MAI MAI NGOS, MINATURA, FDF, LDZON, LU, KASHUBA, LU, MAINDUS, MAI MAI MBUM, MAI MAI DDD, XM23, GIG, MAC, MAI MAI SHA, CORD DU CHRIST, FRPI, RM, KABANZI, MAI MAI KIFUAFUA, BAENI, LUBENZI, MAI MAI KIFUAFUA, DELFIN, MINATURA, KIGIN, MAI MAI KIFUAFUA, MAI SHON, MAI MAI KIFUAFUA, SHALI, MAI MAI SIMBA MAN, MAI MAI MONELI MAN, MAI MAI NZIRUMBA, MAI MAI FORCE DIVINE, SIMBA, MINATURA, MAANGA, MAI MAI REUNION, FBC, MINATURA, NIZAGUI, MAI MAI, MAI MAI MAKANAKI, MAI MAI KIRIKISHO, MAI MAI MAORO, MAZEMI, BILOZO, BISHAPUEKU, MAI MAI MULU, MAI MAI MUSHOMBO, MAI MAI MULU, MAI MAI NYAKILUBA, MAI MAI NYERERE, MAI MAI PRN, PAREM, MAI MAI ESHILO, MAI MAI MALAIKA, SHE ASHANI, MAI MAI VILUWA, MAI MAI YAKUTUMBA, MAI MAI KARAKARA, MINATURA, APRDC, NDC, R, NDC, SHEKA, MINATURA DEN, MINATURA DEN, MAI MAI Pekeni, Miatura Kavuni, Miatura Kalume, Miatura Kasson, RM Akilo, Raïs Mutombo Kibles, RM Mutashimira, RM Donangande.
Raïa Moutomboki Elele, Mai Mai Kinis, Kalumi, RM, Malakombo, RM, Imani Bita, RM, Rimba, RM, Kimba, RM, Kazimoto, RM, Moutomboki Lukoba, Raïs Moutomboki Lukoba, Raïs Moutomboki Abala, RM, Moussoli, Raïs Moutomboki Safari, Raïs Moutomboki Ndaruman, Raïs Moutomboki Soukoum, RM, Kiwamba, RM, Wamba, UPCP, La Fontaine, Raïs Moutomboki. Le Congo est occupé par tous ces groupes rebelles qui sont là pour piller les minerais à confisquer avec le gouvernement et tous les Congolais qui ne veulent pas aller sur sa cabine. Voilà la raison du soulèvement populaire. Haute trahison à la nation. Le combo